chers amis, de vous présenter ce très charmant jeune homme. Il vient tout juste d'arriver, il est en train de s'installer. Il s'appelle Léo et je vous demande un accueil des plus chaleureux, s'il vous plaît, Ludo. Léo a 24 ans. Il commence la musique à 15 ans en autodidacte. Mais il ne peut pas le faire comme tout le monde, vous l'aurez compris. Car il est atteint d'une maladie génétique qui l'empêche de se servir de ses jambes et de ses mains. J'ai envie de vous dire qu'à cela ne tienne, car ça ne l'empêchera pas en tout cas d'aller beaucoup plus loin. Car après toutes ses études et ses années d'école, il utilise un système adapté à son handicap pour utiliser un ordinateur. Et alors il ne s'est pas arrêté là, il commence cet ordinateur grâce à sa tête. Et ça lui a plutôt bien réussi, car grâce à cela, eh bien, il a décroché son bac scientifique avec mention. Il suit des cours de musique assistée par ordinateur au Conservatoire d'Istres, où il apprend à créer sa musique et s'oriente plutôt vers des sons électroniques. Je vous laisse écouter ses compositions, sa musique, sa passion, un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Mr. Léo. L3O, Showtime! Portable, mettez-moi le feu.
Do you remember when I found you? It was like a miracle, a deep breath into my soul and my mind. When I lost you, it was a thunder. I was thinking, am I alive? Oh my God, it's a smile! I didn't find me anymore. I had to remove myself. Do you remember when I found you? A deep breath into my soul and my mind. S'il vous plaît, vous pouvez allumer la salle. Je vais demander juste à tout le monde de bien vouloir se lever. On se lève, on se lève, on se lève et on fait le maximum de bruit pour Léo. Deux minutes. On va se faire un petit kiff. Léo! Comme c'est une star, alors je vous explique, il a son bac scientifique, je vous promets que j'ai même pas le bac. Alors, il faut savoir que l'un des régisseurs, c'est son père. Mais comme il faut qu'il parte avec une surprise, on va se faire une belle photo. Viens à côté de nous. Ou même fais une vidéo, c'est mieux, fais une vidéo. C'est bon? Le public. 1, 2. Oh! C'est pour ça que je quitterai jamais Marseille et que j'aime Marseille en fait. S'il n'y avait pas vous, ma belle Marseille, ça ne serait pas ce que c'est. Bonne continuation, merci beaucoup. Allez, encore un maximum de bruit pour Mister Léo, Mister L3A.